me rendre à mon bureau, j'avais acheté une auto, une jolie traction avant qui filait comme le vent. C'était en juillet 39, je me gonflais comme un bœuf dans ma fierté de bourgeois d'avoir une voiture à moi. Mais 20 septembre et je pars pour la guerre. 8 mois plus tard, en revenant, réquisition ma 11 chevaux légère. Frankfurt-Botten, provisoirement. Pour me rendre à mon bureau, alors j'achète une moto, un joli vélo moteur faisant du 40 à l'heure. À cheval sur mon teuf-teuf, je me gonflais comme un bœuf dans ma fierté de bourgeois de rentrer si vite chez moi. Elle ne consommait presque pas d'essence, mais presque pas, c'est encore trop. Voilà qu'on me retire ma licence, j'ai dû revendre ma moto. Pour me rendre à mon bureau, alors j'achète un vélo, un très joli tout nickelé, avec une chaîne et deux clés. Monté sur des pneus tout neufs, je me gonflais comme un bœuf, dans ma fierté de bourgeois, d'avoir un vélo à moi. J'en ai eu coup sur coup, une douzaine, on me les volait périodiquement. Comme chacun devalait le prix d'une Citroën, je fus ruiné très rapidement. Pour me rendre à mon bureau, alors j'ai pris le métro. Ça ne coûte pas très cher et il y fait chaud l'hiver. Almayenne et Marbeuf, je me gonflais comme un bœuf dans ma fierté de bourgeois de rentrer si vite chez moi. Hélas, par économie de lumière, on a fermé bien des stations. Et puis ce fut la ligne tout entière qu'on supprima sans rémission. Pour me rendre à mon bureau, j'ai mis de bons godillots et j'ai fait 4 fois par jour le trajet à pied. Aller-retour, les Tuileries, le Pont Neuf, je me gonflais comme un bœuf, fier de souffrir de mes corps pour un si joli décor. Hélas, bientôt, je n'aurai plus de godasse, le cordonnier ne se mêle plus. Mais à ne me prudente et perspicace, pour l'avenir j'ai tout prévu. Je vais apprendre demain à me tenir sur les mains. J'irai pas très vite bien sûr, mais je n'userai plus de chaussures. Je verrai le monde de bas en haut, c'est peut-être plus rigolo. J'y perdrai rien par surcroît, il est pas drôle alors.